Bonjour et bienvenue dans cette édition des 13h à Line de ce samedi. 48 heures accordées au Premier ministre pour rencontrer les préoccupations et inquiétudes des élus nationaux. Jean-Michel Samalou Kondé était hier à l'Assemblée nationale pour présenter et défendre le projet de budget pour l'exercice 2023. Un budget record chiffré à plus de 14 milliards de dollars. Le détail dans un instant. Au sommaire également de ce samedi, l'agression rwandaise au nord Kivu s'en est détruit. Le chef coutumier de la province voisine, donc du site Kivu, veulent apporter des solutions pour le retour définitif de la paix. Ils l'ont dit hier au ministre de la Défense. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, le champion du monde français originaire de la RDC, Blaise Matuidi, à la rescousse des orphelins congolais. Ce célèbre footballeur vient de construire un grand orphelinat. Tremplin, c'est son nom, dans la commune de Lantélé. Son inauguration a eu lieu hier. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise. J'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure en titre. C'est un budget record présenté hier aux députés nationaux par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour l'exercice 2023. Un budget chiffré à plus de 14 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 32,7% par rapport au budget de 2022. Mauvaise nouvelle pour les institutions du pays qui verront leur budget être réduit de 30% au profit de l'armée, de l'éducation et de la santé. Sylvie Mouimbo revient sur les grandes lignes de ces budgets. Des interventions pertinentes les unes après les autres. L'Assemblée nationale a entamé le débat général sur le projet de loi des finances exercice 2023. Sur invitation du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia-Poanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, accompagné de membres de son gouvernement, a présenté l'économie du projet de loi des finances 2023, élaboré selon ses propos dans un contexte marqué sur le plan international par les conflits russo-ukrainiens et ses conséquences, notamment avec l'instabilité des prix des produits pétroliers et des denrées alimentaires de première nécessité. Et sur le plan national, la persistance de la guerre d'agression et d'actes terroristes dans la partie est du pays. Tout calcul fait en termes de recettes, le budget général renseigne 27 968,8 milliards de francs congolais en 2023 contre 20 408,3 milliards de francs congolais en 2022, soit un accroissement de 37,1%. Dans l'ensemble des interventions de députés nationaux, tant de la majorité que de l'opposition, l'on note une certaine convergence de vues. Le chef de l'exécutif national a enregistré des félicitations et des encouragements ainsi que des observations pour bien affiner le projet de loi de finances 2023. Depuis un certain temps, le gouvernement annonce la mise en retraite de milliers de fonctionnaires. C'est une initiative politique normale qui permet à ceux qui ont longtemps servi l'État de se reposer. Cependant, cette disposition gouvernementale soulève quelques inquiétudes et préoccupations. Aussi voudrais-je être édifié sur les mesures d'accompagnement envisagées par le gouvernement afin que cette retraite soit réellement agréable dans la mesure où celle-ci concerne les personnes de troisième âge, donc des personnes vulnérables. Le gouvernement peut-il éclairer la représentation nationale quant à ce ? Après débat, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour sa réplique devant la plénière. Le temps des sièges vient de nouveau être prorogé. Le Sénat a autorisé hier pour la 35e fois sa prorogation dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était lors de la plénière présidée par le président de cette chambre haute, Sandra Nyangitabou, Gelor Kimpianga et Denis Pungi. Le Sénat, sous la houlette de Modeste Bahati Lupebo, vient de voter en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Mais dès l'entame de la séance, le sénateur Denis Kambay Chimbumbu est intervenu par une motion incidentielle dans laquelle il a sollicité la convocation d'une plénière au cours de laquelle cette question de l'état de siège doit être débattue à huis clos avec les membres du gouvernement afin de clarifier certaines choses à ce sujet. Répondant à la motion du sénateur Denis Kambay, le président du Sénat, Modeste Bahati, a assuré les sénateurs qu'une invitation sera adressée au Premier ministre pour que le gouvernement vienne répondre aux préoccupations des élus des élus. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote.
71 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce texte de loi sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Dans la perspective de restaurer une paix durable et permettre à l'armée d'éradiquer totalement les forces ennemies, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a proclamé depuis le 3 mai 2022 l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une table ronde sera organisée dans le tout prochain jour avec les élus de ces deux provinces et quelques acteurs de la société civile. Agression rwandaise dans la province du Nord Kivu. Le chef coutumier du Sud Kivu veulent être des médiateurs. Ces chefs traditionnels disent vouloir offrir des solutions pour mettre fin à ces atrocités qui ont tant duré. Ils l'ont dit hier au ministre de la Défense au cours d'un échange leur accordé. Ils sollicitent également leur implication au programme PDDRCS. Djoun Dibou pour le détail. La RDC traverse une situation préoccupante avec l'agression du M23 sous couvert du Rwanda. Le chef coutumier de la province du Sud Kivu, conduit par le Mwami Kabaré, en franchit le portillon du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. Le docteur Gilbert Kabanda Kourenga les attendait pour des échanges. Pour la délégation, les événements malheureux qui se déroulent dans la province du Nord Kivu affectent également la province voisine du Sud Kivu. Le chef coutumier de cet espace s'engage à apporter leur contribution pour des solutions idoines au retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Le réseau des chefs coutumiers du Sud Kivu ont saisi cette opportunité pour solliciter auprès du ministre de la Défense de les impliquer aussi au processus PDDRCS, entendez, programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour anticiper de l'implication des chefs coutumiers pour la préservation de la paix. Et éventuellement voir comment nous pouvons aider nos chers frères du Nord Kivu à travers notre réseau de chefs coutumiers à prendre des actions qui puissent aider à ramener la paix ou à renforcer nos forces armées. Le patron de l'outil des défenses a été très réceptif à leur desiderata et leur a promis son soutien. Séance tenante, le ministre a expliqué à ses hôtes ce que c'est la loi de programmation militaire et la politique des défenses. Le nouveau chef d'état-major, quelques jours après sa prise de fonction, a entrepris hier sa première activité. De quoi s'agit-elle? La réponse dans ce reportage. 62 stagiaires, dont 42 officiers supérieurs et subalternes ainsi que 20 sous-officiers recyclés par les formateurs américains sur la construction, maintenant des infrastructures militaires et des engins de travaux ont reçu le vendredi 28 octobre 2022 au corps des génies militaires leur brevet de fin de formation des mains du général-major Kipongo Bora Théophile, sous-chef d'état-major en charge des logistiques, représentant personnel des chefs d'état-major général empêchés. Dans son monde des circonstances, le général-major Ndanga Uzuda Bruno, commandant corps génie, a rendu grâce à Dieu pour l'aboutissement heureux de cette troisième session de formation dispensée par le formateur de l'agence américaine. Il a également rendu hommage au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour sa diplomatie agissante dans la redynamisation de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Le commandant corps génie a lancé un message à tous les personnels militaires féminins de s'y intéresser énormément pour le développement du pays et s'engager dans ce domaine pour leur contribution. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant de l'ambassadeur des États-Unis, des autorités politico-administratives et militaires, et a été sanctionnée par un défilé des troupes et la présentation des matériels didactiques offerts au corps des génies militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays.
Vous avez corrigé avec moi, il s'agissait là plutôt de la clôture des formations des officiers et sous-officiers des FARDC. Ils viennent d'être formés par les États-Unis d'Amérique. Poursuivons ce journal. Durant 2 jours, les experts du gouvernement suivis d'évaluation vont s'imprégner du processus de formulation, d'élaboration, de la mise en œuvre de la lettre de mission à travers un atelier de renforcement de capacités organisé par le ministère du Plan via le CNEREC. Ceci pour une meilleure coordination efficace des politiques gouvernementales. Peggy Mukunda et Diemerci Sueka étaient sur place. Pendant 2 jours, les experts de la direction des suivis évaluation des politiques du secrétariat général à la primature, des experts du conseil présidentiel des veilles stratégiques et de la direction d'études et planification de l'administration publique seront outillés, formés et sensibilisés sur l'élaboration des lettres de mission. Formation initiée par les ministères du Plan à travers le CNAREC après le rendez-vous de la bonne gouvernance tenu dernièrement pour renforcer la politique nationale. Je voudrais rendre hommage au Premier ministre, Son Excellence Michel Sama Lukonde Kyenge, pour sa détermination à impulser la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement en soumettant tous les membres de son équipe à un exercice de redevabilité à travers les lettres de mission, outils de suivi-évaluation, ce qui permettra de répondre aux aspirations de nos populations. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au PNUD et à travers lui, le Royaume de Suède, pour son accompagnement soutenu au gouvernement congolais dans ses efforts visant l'amélioration des conditions socio-économiques. Ensemble, ils vont réfléchir sur le processus et mécanisme de suivi, évaluation des lettres de mission afin d'atteindre l'objectif fixé. Qu'est-ce qui serait à la base du rejet du vaccin contre la COVID-19 par la population congolaise? Eh bien, une enquête a été menée auprès de la population et par l'École nationale de santé publique de l'Université de Kinshasa et celle de Californie. La présentation des résultats de ces enquêtes a eu lieu hier à l'hôtel Rotana Nonomantikou. Au lieu d'évaluation des résultats de l'enquête menée par l'École de santé de Kinshasa et celle de la Californie en Los Angeles, avait pour objectif de présenter et de débattre sur les résultats de la dite enquête consacrée à la compréhension des préoccupations et de l'évolution des thèmes sociaux qui sous-tendent les attitudes à l'égard du COVID-19 en RDC. Il ressort de ces analyses que la vaccination contre la COVID-19 a connu une forte résistance car la population congolaise était hésitante, voire méfiante quant à l'acceptation de ces vaccins. Et c'est suite aux diverses rumeurs des décès et des effets secondaires néfastes qui pouvaient provoquer cette opération. Les experts de ces deux institutions de la santé publique ont, après une étude approfondie de la situation, suggéré d'améliorer les stratégies de communication pour convaincre la population sur les bien fondés de la vaccination contre la COVID-19. L'une des recommandations, c'est d'accentuer la sensibilisation à travers les sources d'informations qui sont les plus utilisées et les plus sûres pour la population, notamment les radios privées et publiques, les chaînes de télévision, mais aussi la sensibilisation à travers les prestataires de santé. Une autre recommandation, c'est améliorer la disponibilité du vaccin. Il faut amener le vaccin vers la population. Cette enquête, financée par des Center for Disease Control Prevention et les Task Force for Global Health, a été menée dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Encore un nouveau télédistributeur qui vient d'apposer sa signature sur le protocole d'accord sur le paiement de la redevance audiovisuelle qui les lie avec la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Il s'agit de Star Times. Pour le directeur général intérimaire de l'RTNC, Robert Belidebunga, cette signature va sans nul doute permettre à la RTNC de se moderniser. Gaëtan Magalan. La réunion du ministère de la Communication et Médias, Star Times et la RTNC signent le protocole d'accord sur la redevance audiovisuelle sous la direction du directeur de cabinet du ministre Patrick Muyaya. Dans son argumentaire, Maître Nicoli Anza remercie 6 partenaires qui ont témoigné leur bonne foi pour un aboutissement heureux de cet accord, tout en demandant à ceux qui n'ont pas encore apposé leur signature d'emboîter le pas. Ceux qui ne se sont pas encore pliés à l'exercice, nous les attendons
Je l'ai dit dernièrement et le ministre nous a instruit que nous ferons respecter la dureté de la loi. Pour le directeur de marketing de Star Times, le vendredi 28 octobre 2022 restera gravé dans l'histoire. Un jour exceptionnel dans le cadre du partenariat entre la RTNC et Star Times. Prenant la parole, le directeur général AI de la RTNC martèle que la signature de ces protocoles d'accord témoigne l'engagement du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, pour faire appliquer la loi sur la redevance audiovisuelle. Merci au ministre de la Communication et Médias parce qu'il a prouvé qu'il est vraiment impliqué sur tout le projet et qui permettront à la RTNC de progresser. Une cérémonie qui intervient une semaine après la signature du protocole d'accord entre la RTNC et trois télédistributeurs au sujet de la redevance audiovisuelle. C'était un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Le femme, journaliste de la presse écrite, était en face de jeunes filles écolières pour partager ou parler de leurs expériences. Une activité organisée en marge de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. C'est un reportage de Souzingwai. Célébrée chaque année, la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information est pour les parties prenantes une occasion majeure d'examiner et saluer les progrès accomplis. C'est dans ce cadre que l'ACOFEP, Association congolaise des femmes de la presse écrite, et ses partenaires ont organisé trois sessions des tribunes d'échange à l'intention des jeunes filles écolières de 5e et 6e humanité sur le rôle social des médias auprès des élèves. À l'issue des échanges et après constat, quelques recommandations ont été formulées. L'ACOFEP et les réseaux des femmes leaders pour accès à la parole recommande aux professionnels de médias d'améliorer la qualité du contenu des informations destinées à la consommation du grand public, particulièrement devant contribuer à l'éducation des élèves, surtout les filles. Au ministre de la Communication et Médias, de veiller au respect du droit à l'information, de veiller au respect du code d'éthique et d'ontologie journalistique et à la qualité de l'information diffusée. Au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de renforcer les corps éducatifs sur les notions de droits humains et le droit de la femme. Un appel a été également lancé aux partenaires à soutenir les tribunes d'échange avec les élèves pour la promotion de l'égalité des sexes et la promotion des droits fondamentaux des femmes. Une forte délégation du Fonds monétaire international était hier à l'inspection générale de finances. Cette institution de Bretton Woods qui a discuté avec l'inspecteur général de finances et chef des services, Jules Alinguété, est allée s'inquérir de l'évolution de la lutte contre la corruption en RDC. Suivez. Conduite par Mme Mercedes, cette délégation du Fonds monétaire international, chargée de faire la troisième revue du programme du gouvernement, appuyée par le FMI, a été reçue par l'inspecteur général chef de service, Jules Alinguété. Il a été question, au cours de ces échanges, d'avoir le point de vue de l'IGF sur l'exécution du dit projet et aussi s'imprégner du travail important qu'abat ce service pour l'assainissement des finances publiques. Nous sommes une délégation du Fonds monétaire international avec la chef de mission qui vient de Washington et son équipe, qui a souhaité rencontrer l'inspection générale des finances dans le cadre de la troisième revue du programme du gouvernement qui est soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Et c'était important pour nous de rencontrer cette institution, car un des objectifs majeurs du programme économique du gouvernement qui est supporté par le Fonds monétaire international, c'est l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption. Et donc, bien entendu, l'IGF joue un rôle majeur dans cet objectif. Donc, c'était important pour nous de les écouter. Le chef de cette délégation a aussi salué et reconnu le travail qu'abat quotidiennement l'IGF dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la bonne gouvernance en RDC. C'est aujourd'hui que le secrétaire général de l'UDPS va tenir ou même tient déjà son meeting à la place poste de Lubumbashi. Sur ces images, nous allons faire marche arrière pour vous montrer la mobilisation de secrétaires généraux et combattants pour accueillir Augustin Kabuya. C'est un reportage d'Alain Bikaï. Lubumbashi se prépare pour accueillir l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Augustin Kabuya, en tournée de redynamisation de l'UDPS dans les Hauts-Katanga.
La ville qui préfère prend des allures d'une caravane, les motocyclistes, parlementaires debout et d'autres acteurs de la société sont mis en contribution pour sensibiliser sur l'arrivée du secrétaire général de l'IDPS. Les effigies des cadres de ce parti avec Fatih et leur secrétaire général souhaitant la bienvenue au numéro 1 de l'IDPS sont visibles partout dans la ville. À la tête d'une forte délégation, le secrétaire national à l'organisation, Clément Barouti, a échangé avec la presse locale sur la mission du secrétaire général Augustin Kabuya dans cette province et son meeting de ce samedi 29 octobre à la place de la Poste. Nous sommes la ligue qui est derrière la redynamisation du parti prônée par le secrétaire général Augustin Kabuya. Et notre président du parti, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le samedi, c'est la quête du secrétaire général Augustin Kabuya. Nous devons mettre nos divergences debout. Toutes les batteries sont mises en marche par les cadres sympathisants de ce parti pour un accueil triomphal à la manette Joyce Tunda Kazadi, Toby Kayumbi et Fabien Moutombe. Malgré les provocations d'un groupe de jeunes instrumentalisés par certaines officines politiques, la mobilisation autour de l'arrivée du secrétaire général Augustin Kabuya n'a pas faibli. Les grandes places de cette ville ont été prises d'assaut par ces inconditionnels de l'IDPS. Question d'accentuer la mobilisation pour les rendez-vous de ce samedi 29 octobre à la place de la Poste. Les champions du monde français, originaire de l'RDC, Blaise Matuidi, à la rescousse des orphelins congolais. Ce célèbre footballeur vient de construire un grand orphelinat tremplin, c'est son nom. Son inauguration a eu lieu hier dans la commune de Lontilé. C'est un commentaire de Diane Obalaka sur les belles images de Joël Mabaya. Donner l'espoir aux enfants de nuit et défavorisés, c'est le cheval de bataille de tremplin Blaise Matuidi qui vient de mettre à la disposition des enfants orphelins une infrastructure en bon état construite selon les normes architecturales. Ce nouvel orphelinat construit dans la commune de Lantili, à quelques encablures du port de Kinkole, à environ 35 km à l'est du centre-ville Kinshasa, vient d'être inauguré sous la dénomination Tremplin Elikia. Ce travail de construction est le fruit du travail d'un collectif de deux associations avec l'appui des partenaires tels que Total Energy. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents dans mon enfance. Et je pense que les parents, c'est sacré. Malheureusement pour ces enfants, ils n'ont pas la chance d'avoir leurs parents. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de soutenir cette cause et surtout d'y donner de la voix. La préoccupation première de l'association Blaise Matuidi en construisant cet orphelinat dénommé Tremplin Elikia est de redonner les sourires aux enfants de Muni. L'orphelinat contient un espace dédié à la pratique du sport et aux jeux, une salle de restauration, des chambres, les sanitaires et un parking. La construction de cet ouvrage tire son inspiration du président Tremplin Blaise Matuidi, TBM, et de son épouse. Le gouverneur du Bas-Zouélé poursuit son itinérance et sa mission d'inspection dans sa province après avoir été dans le territoire des Bambessa. Jean-Robert Nzanza est maintenant à l'étape de la cité de Dingila où il est arrivé depuis hier soir. La population s'est mobilisée pour l'accueillir. Suivez. Après le territoire de Poko, la délégation du gouverneur de province est arrivée dans le territoire de Bambessa, cité de Dingila, chefferie de Bakété, où Jean-Robert Nzanza Bombiti a été accueilli comme un roi. Ovation et autres cris de joie. Au cours de son meeting, l'autorité provinciale a appelé la population à s'approprier les programmes du gouvernement provincial en se remettant résolument au travail, notamment à ce qui concerne les activités agricoles et promet avec les concours de la population d'arranger la route nationale 25 avec les moyens de bord avant que le gouvernement central n'entre dans le jeu.
Il est temps, nous devons nous tenir main dans la main pour booster l'agriculture dans les territoires des Bambisa. Nous devons nous mettre au travail pour relancer l'agriculture dans notre pays. Signalons dans cette délégation la présence des députés provinciaux élus des Bambisa et du vice-président de l'Assemblée provinciale du Bazouélé. Et pour finir, l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme ISAO se prépare à intégrer le système LMD dans son programme. Le personnel de cet institut supérieur est en atelier des deux jours pour faire des propositions concrètes. Redépanda pour les commentaires. Produire une maquette commune pour des enseignements de l'architecture et l'urbanisme dans les trois cycles du système licence, master, doctorat, LMD, identifier, analyser et assurer la vulgarisation des recherches en architecture, urbanisme et aménagement du territoire sont entre autres les objectifs à atteindre durant les deux journées prévues pour ces travaux. Et parmi les résultats attendus, adopter et mettre en place un programme commun format LMD qui sera sanctionné par la décision du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Boyin Donzangui, présent à l'ouverture, a souligné que les établissements universitaires d'architecture